Il y a des caprices que tu pouvais faire quand tu étais enfant, mais une fois que tu grandis, tu ne peux plus faire les mêmes caprices. Dieu n'aura plus la même patience avec toi. Power! 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 In Jesus' name. Recevez! 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 Bon, je vais parler de la nouvelle saison. Zacharie chapitre 10. Je parle de la bénédiction. Moi, je parle de la bénédiction. Mais personne ne peut entrer dans sa bénédiction sans être délivré. Est-ce que vous comprenez cela? Personne ne peut entrer dans sa destinée sans passer par la délivrance. Et ce soir, notre souci, c'est que ce qui nous garde dans l'ancienne saison, c'est toujours ces trucs ancestral, familial, parental. Il y en a marre. Bon, est-ce que si je dis il y en a marre, c'est vulgaire? Non, hein? Ça va? Ok. Parce que Laurie à la Sorbonne, ils ont un français un peu très... Elle m'aurait dit, papa, tu ne pouvais pas dire ça sur la chair. Bon. Zacharie chapitre 10. Ce passage est merveilleux. J'aime trop ce passage parce que j'en connais le secret. Je l'ai expérimenté. Zacharie, le chapitre 10, à partir du premier verset. Écoutez ce que déclare la Bible. Demandez à l'Éternel la pluie. Demandez la pluie. On n'a pas dit Dieu fera. Non, toi, demande. Et si tu dois demander, ça veut dire que tu dois prier. Et si tu dois prier, ça veut dire que tu dois conserver avec Dieu, converser avec Dieu. Et si tu dois converser avec Dieu, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait non seulement l'entretien avec Dieu, mais l'intimité avec Dieu. Amen. Amen. Demandez à l'Éternel la pluie. Mais pas n'importe quelle pluie. Virgule, la pluie du printemps. Amen. Et ensuite l'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. La saison, il y a deux genres, deux sortes de saisons. Parce que quand on parle de saison, on pense toujours, nouvelle saison, on pense toujours que oui, il y a la bénédiction. Non, il y a des nouvelles saisons pour les méchants. Amen. Pour les méchants. La nouvelle saison peut déterminer une mauvaise saison. Et si vous regardez la pluie, il y a des pluies destructives. Il y a des pluies de destruction qui emmènent la tempête qui ravage les maisons. Et puis il y a aussi la pluie du printemps. Elle est douce, rafraîchissante. Amen. Donc il y a deux sortes de saisons. Ça peut être négative ou positive. Ici nous parlons de la saison positive, qui est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quelqu'un va être béni. Moi je le sais. Maintenant la saison est caractérisée. En fait la saison c'est un temps. Les saisons sont les temps. Je ne peux pas passer sans vous donner ce passage de Genèse. C'est Genèse combien? Chapitre 6, 22 ou 8, je ne sais plus. Allez voir dans Genèse chapitre 8, je crois. Je ne peux pas passer ce passage, donc je suis obligé de passer par là. Ok, Genèse 8, 22, j'avais bien raison, Genèse 8, 22, voici ce que déclare la parole de Dieu concernant les saisons. Je vais vous donner quelques mots clés. Tant que la terre existe,
le semain et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Amen. Vous devez comprendre que les saisons sont des temps. Mais sauf que pour différencier les temps, c'est pour ça qu'on l'a appelé saison. Parce que tous les temps ne se ressemblent pas. Il y a des temps où il fait froid, il y a des temps où il fait chaud, il y a des temps où c'est la nuit, il y a des temps où c'est les jours. Mais maintenant, pour différencier cet ensemble des critères, on peut dire que chaque saison regroupe ce qu'on appelle des caractères intrinsèques. Je ne sais pas si vous comprenez les mots. Ça veut dire chaque saison a une particularité. Il a sa manière de fonctionner. Elle apporte quelque chose. Maintenant, nous parlons du printemps. Pourquoi? Parce que quand le printemps arrive, écoutez ce qui se passe. Le printemps emmène un vent bizarre qui nettoie les feuilles. Amen. Qui vide les feuilles desséchées pour permettre aux feuilles vertes d'arriver, de sortir. Vous comprenez ce que je dis? Le printemps, parfois, vous n'avez même pas besoin d'arroser un arbre. Quand le printemps arrive, il change l'atmosphère d'un territoire entier. Donc, que l'arbre ne veuille ou pas, il va subir le changement atmosphérique que le printemps apporte. Et quand Dieu veut bénir quelqu'un, il va prendre cette personne, il va l'emmener dans un environnement, il va écarter de lui certaines choses, les feuilles mortes, il va mettre autour de lui des feuilles vertes, des arbres verts, pour le permettre de réussir. L'homme est plein d'erreurs. Comme l'homme commet toujours les erreurs. Et que Dieu, quand sa promesse arrive à l'accomplissement, il va s'arranger à ce que tu sois entouré, que tu sois dans un environnement qui te permet de réussir et non pas d'échouer. C'est pour ça que la Bible déclare, Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Qu'est-ce que c'est que les ténèbres ? Tout ce qui ne doit pas se figurer, se trouver dans ton territoire, c'est considéré comme ténèbres. Alors si tu es avec un gars qui n'est pas la volonté de Dieu, c'est du ténèbre aussi. Tu savais ça? Alors largue-le. C'est peut-être un peu cruel, mais je suis comme ça. Hein? Si tu vois qu'on te complique trop aussi pour la femme, je sais que tu l'aimes, mais attends, même si elle est belle, mannequin, mais bon, attends, c'est une question de salut, quoi, tu vois. Je sais, chérie, tu es belle comme la lune, mais je suis désolé, hein. C'est une question de volonté de Dieu. Attends, vous n'allez pas larguer les gens et dire c'est le prophète qui l'a dit, hein. C'est pas une prophétie. Tu prends tes responsabilités. Parce que je vous connais, notre prophète a dit, d'ailleurs regarde le live, je n'ai rien dit, j'enseigne la parole de Dieu. Parce que moi on a failli me cogner plusieurs fois au début, je ne maîtrisais pas encore le ministère, j'étais là en train de donner les prophéties. Tac, 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 tac. Ah ma soeur, ça va? C'était mes amis bien sûr. Ah ça va toi? Ah mais les gars là il n'est pas bien pour toi. Non mais je l'ai vu en vision, il était avec une autre fille, j'ai balancé tout le monde. Alors ces gars là venaient me chercher pour me frapper. Donc aujourd'hui, là, ces genres de choses, moi, je ne rentre pas dedans. Alors, la nouvelle saison. Dieu ne laisse pas n'importe qui entrer dans la nouvelle saison. Regardez bien. Adam est créé. Suivez bien. Adam a été créé depuis longtemps. Mais vous savez ce qui s'est passé? L'éternel Dieu plaça un jardin en Éden. Est-ce que tout le monde me suit? Vous voyez qu'il y avait un jardin qui se trouvait dans l'Éden. Éden, c'est un territoire. Mais dans l'Éden, il y avait un jardin. Parce que les gens appellent jardin d'Éden.
On pense que l'Éden, c'est un jardin. L'Éden, c'est un territoire. Mais l'Éternel Dieu plaça un jardin en Éden. Puis, il y plaça l'homme qu'il avait formé. Suivez-moi très bien. Ça veut dire que l'homme n'était pas encore entré dans son jardin. Il a été créé, mais il était là, il attendait que Dieu fabrique les jardins. Donc les saisons, ce sont des moments que Dieu permet pour nous faire traverser des différentes étapes. Il y a des étapes où pour toi c'est la nuit. Dieu veut que tu souffres ces choses pour ta formation. Et tu attends que le jour paraisse. Et là, il te prendra et il t'y placera. Il n'y a qu'un seul homme, il n'y a qu'une seule personne qui contrôle les saisons, c'est Dieu. C'est lui qui ordonne au jour de paraître. C'est lui qui dit qu'il fasse nuit, que la lumière soit. C'est Dieu qui le fait. Donc vous devez comprendre que tu n'entreras dans ta bénédiction que quand Dieu l'aura ordonné. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Avant que Adam entre dans le jardin d'Éden, suivez. Genèse combien? 1 ou 2. Avant que Adam n'entre dans le jardin d'Éden, regardez ce qui s'est passé. Bien que Dieu a formé le jardin, Dieu a pris Adam. Et c'est Dieu qui a fait entrer Adam. Adam n'est jamais entré lui-même. Il a dit, je veux... Non, il a attendu l'autorisation. Amen. Dieu peut te montrer ta saison. Il peut te montrer, c'est cette porte-là. Mais il ne t'a pas encore dit d'ouvrir et d'entrer. Mais qu'est-ce que toi tu as fait? Tu as jeûné, Dieu a écouté ta prière. 3 jours, Dieu a écouté ta prière. Il a dit, oui, c'est lui, ton mec. Mais est-ce que Dieu a dit que tu dois aller le séduire vite fait comme tu l'as fait? Donc vous avez entamé une relation avant le temps. Mais comme tu as déclenché l'événement avant le temps, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Merci, Michel. C'est parce que tu es parti trop vite. Tu es allé chercher le rouge à lèvres là. C'est qui fait ça? Le glow là. C'est qui? Yves Saint Laurent. Au lieu même de continuer d'acheter tes robes que tu achètes chez Asos, non, là tu as dit Zalando. Et tu savais qu'en passant par là, en provoquant ce que tu as provoqué, il n'allait pas résister. Du coup, tu avais dit c'est dans les poches, mais aujourd'hui on en est où? Tu as déclenché un événement avant le temps. Et un royaume qui est créé avant le temps ne subsiste pas. C'est un royaume éphémère, ça ne tiendra pas. Un prince ne peut pas être investi de succéder à un royaume avant le temps. Vous êtes déjà en problème, vous les chrétiens. Et vous aimez trop des problèmes, après vous allez crier chez Dieu, ah Seigneur. Allez crier chez Dieu, pas chez moi. Parce qu'il y a des gens qui viennent ici parfois au bureau quand je les regarde. Là, je suis en train d'étudier un autre dossier. Chérie, tu sais quoi? Il y a des gens qui viennent au bureau. Parfois, il y a des gens qui m'appellent. Prophète, Dieu m'a dit que ma saison à Signs and Wonders, c'est fini. Comme si tu sais ce que c'est qu'une saison. Les enfants de Dieu, quoi. Ça donne mal à la tête. Des années, j'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas me changer du boulot. Est-ce qu'il m'écoute même? Tu vas délivrer mes enfants. Le seul problème, c'est que Dieu paye bien. C'est pour ça que je reste encore plus. Il te paye, il te nourrit, il te protège, il combat pour toi. Donc, personne ne peut m'offrir ce salaire-là. Parce que si je vais travailler ici chez E2F, ils vont me donner un bon salaire. Je suis ingénieur, c'est bon. Mais ils ne vont pas me protéger. Quand je vais dormir la nuit, est-ce que E2F sera là? Non, Dieu, il me paye, il me nourrit, il garde ma santé. Et quand je dors, il est encore là. Je te couvre de l'ombre de ma main. Donc, c'est un employeur exceptionnel, alors je reste. Écoutez, quand quelqu'un dit que ma saison est terminée, je vais vous dire comment ça se passe. 1. Dieu va parler à son père spirituel. Vous comprenez ce que je dis? 2. Il va parler comme l'apôtre Paul et l'apôtre, le prophète Agabus. Mettez-moi à part Paul et Silas
pour la mission pour laquelle je leur ai appelé. Je les ai appelés. Et puis ils vont t'imposer les mains et ils vont te laisser partir. Mais vous, vos saisons se terminent quand vous avez des problèmes avec les autres à l'église. C'est là où tu dis ma saison est finie. Parce que tu n'en peux plus, tu as fait des gaffes ou je ne sais pas quoi. Tu n'en peux plus, tu es étouffé. Là, ma saison est finie, n'importe quoi. Est-ce qu'on a vu Paul était en train de s'échamailler avec les autres? Non. Agabus avait le problème? Non. D'ailleurs, la preuve qu'ils sont venus, ils se sont mis à genoux. On a prié pour eux. D'ailleurs, c'est eux-mêmes ne savaient même pas. C'est les anciens même qui ont reçu la révélation et les ont libérés. Et après, Dieu va dire à Paul, viens, je t'ai appelé au loin pour les païens. Est-ce que vous comprenez? Vous pensez que l'église, vous pensez que l'église, c'est le désordre? Mais non. Aujourd'hui, c'est un désordre. À notre époque, s'il y avait Instagram, je n'aurais jamais fait un live sans l'autorisation de mon père spirituel. Jamais de la vie. J'aurais dit, papa, je sens qu'il faut que je fasse un live. Il aurait dit, ah bon? Ok, bon, on verra. Parce que la preuve est que tout ce que j'ai fait à l'église, Dieu lui montrait, il m'appelait. Quand Dieu a commencé à me parler, je ne savais même pas ce que je vivais. Je disais, je suis fou, des visions tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'entendais la voix de Dieu, je ne savais pas ce que c'était. C'est lui qui m'a dit, mon fils, viens. Ce que tu vis, tu n'es pas fou. Ça s'appelle les dons spirituels. Il s'est mis à m'enseigner. Ici, de nos jours, un petit problème, je me retire. Et quand il va se retirer, ah, je suis en retraite. Et quand il va finir sa retraite, Dieu m'a dit, ma saison est finie. Pourquoi? Il fuit un problème. Je vais te dire quelque chose. Là où tu vas rencontrer d'autres problèmes. Pourquoi? Tu fuis la formation. Et ta formation, c'est quoi? C'est la clé pour entrer dans ta nouvelle saison. Ris bien, Cindy, ris. Et vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose. Adam, la Bible déclare, au même passage, l'Éternel plaça un jardin en Éden. Lisez bien quand vous lisez chaque mot. Et il y plaça, il y mit l'homme qu'il avait quoi? Qu'il avait fait quoi? Formé. Après, il a mis l'homme qu'il avait formé. Donc, Adam était formé d'abord avant d'entrer dans le jardin d'Éden. Formé, ça veut dire brisé. Dieu l'avait préparé. Mais si tu fuis ta formation, comment veux-tu entrer dans la nouvelle saison? Parce que c'est cette formation de Dieu qu'il va t'équiper. Tu vas être un homme qui sait que l'hiver arrive. Il prépare ses manteaux. Il prépare ses bottes. Il prépare le chauffage. C'est ça la formation pour la nouvelle saison. Parce que Dieu sait que si tu entres comme ça, tu n'es pas formé. Tu vas faire des bêtises. Tu peux même mourir. La Bible déclare qu'Israël, quand il est sorti de l'Égypte, la Bible dit que quoi qu'il y eut un chemin plus court, Dieu ne le conduisit pas par le chemin le plus court, mais il leur fit faire un détour. Exode chapitre 12, je pense. Il leur fit faire un détour. Et Dieu dit, car le peuple pourrait voir la guerre et fuir, retourner en Égypte. Vous voyez, beaucoup d'entre vous ont rallongé. Ils ont rallongé leur formation et leur combat. Ils ont intensifié leur combat. Ils ont rallongé leur formation. Dieu voulait le former peut-être 6 mois. Mais comme tu passes ton temps à fuir église, quand il y a des combats, tu fuis. Quand il y a des problèmes avec des gens, tu fuis. En plus, tu n'arranges pas tes problèmes, mais tu fuis. C'est ce qui est encore plus grave. Parce qu'un problème, c'est une montagne. Si tu ne la déplaces pas, tu le trouveras toujours là. C'est pour ça que Jésus dit, il faut dire à la montagne, ôte-toi de là. Il faut la déraciner. Un problème, il faut le terminer. Yes. Alors la nouvelle saison dont nous parlons ici, c'est le printemps. Le printemps emmène la fraîcheur. Le printemps fait verdir l'arbre desséché.
Le printemps, c'est l'espoir des agriculteurs. Tous ceux qui sèment là, ils attendent que le printemps. Parce que ça arrose le sol. Oh Jésus. Aujourd'hui, tu dois entrer au printemps. Tu dois entrer au printemps. Mais Dieu dit, demandez à l'Éternel. Il faut que tu demandes à Dieu. Il faut que tu demandes à Dieu. Mais vous savez que la Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Donc maintenant, comment tu demandes? Là, c'est aussi une autre question. Ah, oh, Jésus. Yes. Je crois que je vais continuer après. On va prier un peu, puis on va faire une pause, et après on va continuer. Jésus. Parce que ce que je veux dire aujourd'hui est très important. C'est vous transmettre la capacité de modifier l'environnement où vous êtes. L'une des choses qui caractérise la nouvelle saison, c'est Ésaïe chapitre 51, verset 16. Ésaïe 51, 16. Là, je ne suis que vraiment dans l'introduction d'introduction de la nouvelle saison. Je ne peux pas aller plus loin, sinon je vais toucher l'Apocalypse. Alors, dans Ésaïe 51, 16, la Bible déclare, je mets mes paroles dans ta bouche. La première des choses. Ensuite, et je te couvre de l'ombre de ma main. Et puis, je crée de nouveaux cieux et je fonde une nouvelle terre. C'est quand Dieu, dans la nouvelle saison, il crée un nouvel environnement pour vous. Et l'environnement est très important. C'est ce que nous avons lu dans Genèse. Il y avait l'Éden, mais Dieu a créé un jardin en Éden. Un nouvel environnement. Sans un nouvel environnement, parfois, il est difficile que les nouveaux événements s'accomplissent. Voilà pourquoi Dieu rafraîchit les gens, parfois il les déplace dans un nouvel environnement pour permettre aux nouveaux événements de s'accomplir. Et très souvent dans l'ancien environnement, il y a tellement de choses, il y a tellement des épines, il y a tellement des mauvaises semences, des mauvaises choses qui vous empêchent d'évoluer, des toiles d'araignée qui vous empêchent d'avancer. Qu'est-ce que Dieu fait? Il ne vous donne pas la victoire là. Il vous retire de là. Souvent, il y a des démons. Il y a des sorciers. Il y a des choses qui se passent. Dieu n'a pas besoin de vous donner la supériorité là. Il vous retire de là. Souvent, Israël doit juste sortir de l'Égypte et partir. C'est tout. Laisse l'Égyptien dans sa magie. Et donc, le nouvel environnement est très important pour Dieu. Parfois, il n'a pas besoin de séparer le ténèbre d'une manière, non, tuez vos ennemis comme vous priez. Qu'ils meurent, mes ennemis. Dieu, parfois, n'a pas besoin de ça. Il a besoin de ces méchants. Aujourd'hui, tu le maudis, mais peut-être que dans 5 ans, il va se convertir. Pour Dieu, il est très important. L'apôtre Paul, il persécutait l'Église. Alors, si quelqu'un l'avait maudit, si Pierre l'avait dit, toi, apôtre Paul, là, tu vas voir si je ne suis pas Pierre. Mais Paul allait mourir parce que Pierre avait la clé. Tout ce qu'il dit, Dieu fait. Donc s'il avait maudit Paul, Paul serait mort. Donc on aurait manqué un des plus grands apôtres. Donc l'objectif, ce n'était pas de le tuer, de le maudire. Il fallait les laisser vivre, il allait se convertir en son temps. Donc très souvent, qu'est-ce que Dieu fait? N'empêche pas un sorcier d'être sorcier, mais empêche le sorcier de t'ensorceler. Donc prends ta part et casse-toi. Voilà, je reconnais casse-toi, c'est un peu vulgaire, hein? Mais ça sonne bien, je suis désolé. Quand je parle des démons, pas de souci. Donc vous comprenez que la nouvelle saison, il faut être en un mot discipliné pour y entrer.